qui ont plus d'inquiétude, que ce soit sur le plan économique. Nous, ouais, jusqu'à présent, il y a des décrets qui prennent depuis le gouvernement s'est installé, nous-mêmes, dans la structure, nous avons fait pèlerinage dans le presse pour nous demander que le gouvernement, Dr. Gary Konyan, prend des décrets pour permettre de modifier le décret 17 juin 2022 qui était retiré du pouvoir d'achat dans les silos, dans la maison de transfert. Parce que le problème, c'est un problème qui vient récurrent. Parce que, comme on imagine, nous voyons encore pour le monde, nous n'avons pas besoin de l'argent, là, le transfert, nous exigeons, mais c'est un goût pour le balil. Or, tout ça pour nous louer, pour nous acheter en deux pays, là, c'est en dollars. Nous-mêmes, nous espérons que le gouvernement avec ce pétard a bien dans Chita, le plus vite que possible, pour nous passer maintenant des prêts, ça, pour te permettre que nous retourner dans la normalité, les gens s'attirent en vent. Parce que sinon, comment nous, classe moyenne, nous allons faire business, comment nous-mêmes, comme petit personnel qui n'ont qui dans l'État, ou sinon comment on a pu organiser nous si nous-mêmes nous n'avons pas besoin d'accès pour nous acheter, nous n'avons pas besoin de dollars pour nous acheter. Et sur le plan sécuritaire, c'est vrai nous et la police a fait un plus d'efforts pour permettre que la vie reprenne dans la capitale là. Et nous arrivons dans une grosse vaste opération dans le jour de ce passé pour permettre que nous repoussions les bandits, nous prenons presque ensemble de zones dans la capitale là. En otage, c'est le cas de Solino. Côté nous en pile mon après tourner la caillou nous bat bravo pour ça. C'est le cas de Badelma, c'est le cas de ensemble de zones Porta Léogane, Grissier et ensemble de l'autre zone encore nous ouais la police a fait gros effort même si c'est pas suffisant parce que il y a en pile monde qui croit que les problèmes qui gagnent dans grand axe capital aussi prioritaire tout parce que c'est là machine qui pour porter provision, machine qui pour se porter prince fait voyage pour porter mon en province, c'est là où dépasser. Mais nous connaissons un problème qui était là pendant 3 ans. Pendant 3 mois, nous n'avons pas résoudre. Parce que pendant 3 ans, ça, le problème santé là, il est arrivé jusqu'à en bas bam, par les nationales là. Je dis à signer des efforts qu'a fait force de l'ordre en fait, nous-mêmes, il faut nous féliciter ça. Et nous n'avons pas cracher sur ça comme groupe qui est dans la société civile là. Et nous profitons de l'occasion ça tout pour nous dire à la presse, pour nous informer la population, pour nous être très vigilants. Parce que nous avons une équipe laboratoire qui montait là, qui pour mettre la trouble dans le pays, qui a capable d'annoncer kidnapping plus beau babo dans tout le pays. Et nous félicitons les prestataires qui étaient vigilants, qui ne peuvent pas prendre un tox à eux, parce que c'est des cas qui n'ont pas été annoncés chaque jour, et des fois, il y a des vidéos pour nous partager des vidéos qui n'ont pas 2 à 3 ans de cela, juste pour créer la trouble, parce que le secteur mafia dans le pays, il n'y a pas d'accord si la sécurité ça nous est bien là, si calme ça bien dans nos kidnappings. Il y a tout le temps fait la population paniquer pour dire kidnapping à droite, kidnapping à gauche, pour faire la population rester la caille, pour continuer à appuyer les forces de l'ordre et pour nous démotiver. Nous-mêmes, comme groupe organisé, nous avons demandé à la population pour lever le campé, pour le caler gel, parce que c'est comme taxi qui a payé le gouvernement Gariboni avec CPT. Une manière pour nous demander pour que plus d'efforts qui fait avec la police, pour la police a doté plus de moyens pour permettre qu'ils combattent contre gang qui prend tout le pays, qui crispe toute population, qui fait jeudi à personne, nous ne pouvons pas vivre, pas la vie pour quelqu'un dans le pays. L'argent comme taxe, nous devons connaître ça à régler et jeudi à sécurité à la priorité, même si nous félicitons Normi Rameau, nous sommes capables de faire tout ça possible de bouche en double pour être comment capable de faire pour l'institution ça de pacifier le problème que vous avez l'autre image dans l'opinion. Et nous-mêmes, nous croyons que la population doit accompagner la police dans tous 4 points. Côté opération, ça va faire pour permettre que nous allons souffrir. Parce que ça vient là, c'est nous pour résoudre. D'ailleurs, nous sommes dernier soufflet, nous sommes dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Côté renouveler encore une fois pour l'année, mandat, mission, ça qui est dans le pays, en mission, jusqu'à présent, la population, par contre, qui ça l'a réglé, qui vient faire que nous venons, ouais, à clair, problème, c'est nous-mêmes qui pour résoudre. C'est nous qui sommes créés, c'est ça, nous disons, nous ne sommes pas intéressés de nous. Et c'est pas la géopolitique des bons intérêts qu'a fait. Si tel pays n'a conseillé la part ou intérêt là, il n'est pas d'accord pour ça, passer de une force multinationale à une force onisienne. Et bien nous-mêmes dans la structure, nous disons population, nous disons la presse, ça qui vient là, pas bien l'autre pour ne pas braquer, c'est nous-mêmes qui pour camper pour nous résoudre. Et l'autre point encore qui est important, c'est l'aspect corruption. Depuis le gouvernement Gary Konyan a monté dans tel pays, nous-mêmes, dans la structure organisée comme groupe dans la société civile, là, qui te font une grosse bataille dans le dossier Petro-Caribe, qui prend et estime nous là, sous terrain, nous espérons que, là, nous entendons M. Gary Konyan parler de bataille contre la corruption. Le premier bagage nous devons voyager, nous, c'était l'institution sacrée de l'ULCCA. Nous connaissons l'institution sacrée créée 8 septembre 2004, non pas la transition, qui était gérée à la torture avec Boniface Ladan. Il n'est pas suffit, mais c'était un gros pas.
puisque c'est un global, pas suffit, nous espérons que le gouvernement va répondre avec CPT à prendre toutes mesures en soi pour te permettre que l'institution ça, nous repasser maintenant des prêts pour permettre qu'il y ait indépendant, pour permettre qu'il y ait une rubrique budgétaire, pour permettre qu'il y ait un mandat, pour permettre que l'institution ça là fait travailler pour nous parler bon bois politique derrière. Malheureusement, nous jusqu'à présent, nous beaucoup senti le gouvernement va répondre avec CPTA, même si nous connaissons tout le monde attend et décision ça qui sorti dans l'ILCC par rapport avec l'indexation qui fait par rapport avec toi même CPTO. Nous même n'avons pas tant de décision ça tout parce que nous prenons l'institution, bataille, je dis à ceux qui nous va proposer ça mener son bataille pour renforcer l'institution nous, parce que au-delà de cette manifestation, ce n'est pas nous pour arrêter nous. Il faut une bonne institution qui pourra mener enquête, il faut que paquet, la justice. Et c'est eux-mêmes qui peuvent faire suivi tout ça nous venons dénoncer. Ce n'est pas nous-mêmes comme groupe organisé pour arrêter nous la caillou. Alors, c'est ça que nous devons nous dire avec la presse matin, en attendant que nous passions et deuxième pour parole, nous sommes Jonathan Ruma pour le suivi nécessaire. Avec CPTA, depuis passé 100 jours dans notre pays. Et sur le plan politique, nous-mêmes on ne devons pas complice, nous sommes très inquiets et insatisfaits de l'ensemble. Promesses qui étaient gagnées pour faire aux gens, ça a été écrit dans le rapport à Villa qui était bâillé naissance avec CPTA et le gouvernement qui est en tête de la économie. Regardez ce qui était écrit dans le rapport à Villa, il dit qu'il faut qu'il y ait OCAG qui mette en place. Jusqu'à présent, OCAG là pour commenter, qui est l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, qui peut aider et gérer dans la question dépenses, dans la question organisation et sa gouvernement a fait. Nous avons une structure qui a veillé ensemble de dérives et d'abus administratifs qui étaient faits pendant le gouvernement. Ça, pour que j'aime faire. Nous avons un CEP qui était de monter et jusqu'à présent, nous avons un CEP qui n'est pas effectif, qui monte avec un pile contestation là-dedans. Et côté que c'est ensemble de membres du conseil présidentiel de transition qui a essayé d'influencer pour le contrôle, ensemble de monde qui prennent dans le conseil électoral. Que nous-mêmes, au niveau de notre complice, nous dénoncer ça. Et nous avons le Conseil national de sécurité qui a dû monter jusqu'à présent, qui peut monter. Et nous comprendre que ça veut dire sécurité nationale, au moment de la vie, je ne le dis pas. Et ça préoccupe nous au niveau de notre complice, et ça va nous en pile inquiétude sur la façon dont le gouvernement ça a déroulé là. Et les nous gagnons ces zigzags, c'est en pile. Division qui gagne en mi-temps CPT et en mi-temps gouvernement, chaque fois chercher pour leadership, et bagarre là, et nous-mêmes, dans le niveau nous trouver là, c'est pas ça la population a besoin, c'est pas ça nous-mêmes nous souhaitons dans le niveau de la population. Et nous avons essayé de garder tout ça au niveau d'un conseil fort, par chef cap dirigé, pour nous faire comprendre que c'est dans l'unité, c'est dans l'union, c'est dans le dialogue, nous avons essayé de joindre une solution pour nous porter la population. La population est bouquée, elle n'est pas capable encore, elle n'est pas capable de faire l'occupation. La sécurité a essayé de regarder comment la police a essayé de mettre le contrôle pour essayer de récupérer des territoires perdus. Mais jusqu'à présent, elle n'est pas satisfait avec la population. Mais d'attendre et l'action gouvernement va le faire pour M. Nogamo, qui s'est dit que la police a plus de moyens, continuer à faire travail à la main, la journée aujourd'hui. Là. Et nous souhaitons que le CPT avec le gouvernement, je nous entends et font dépassement de eux-mêmes et je nous entends politique pour ne pas perdre 24 mois, ça, pour ne pas considérer comme 24 mois qui gaspillent. Nous avons gardé tout ça à côté de la TVA qui vous fait dans la période de temps. Ça. Et si nous avons gardé encore, le gouvernement a lancé un programme pour assister les familles qui sont dans une situation vulnérable avec 9 milliards de gouttes et nous avons essayé de comprendre. 3 milliards de gouttes qui étaient dépensés sous le régime Ariel Henry, comment ils étaient dépensés. Et ils sont ensemble de monde qui ont fait gagote dans l'État, qui prend l'argent qui n'est pas arrivé à joindre la population qui est vulnérable là. C'est les compagnies téléphoniques qui ont bénéficié de l'argent à travers les transactions, c'est les compagnies téléphoniques qui ont fait pour arriver à joindre les gens, quelques monde qui ont joindre. C'est ensemble de plus de 50 bus qui ont acheté sous le programme 3 milliards de gouttes du gouvernement Ariel Henry. Ou par contre, qui ça, bus ça a devenu pas ouéo. Pour te mettre dans la dignité, pour te support avec la famille dans la question de transport, pour ne pas joindre ça, l'argent ça va gaspiller, yo prend l'argent de la population, yo gagotel. Et nous espérons que 9 milliards de gouttes, ce n'est pas même où ça va le faire, pour que c'est ensemble des gens qui dirigent nous là, qui continuent à bénéficier de l'argent taxe population, sans que la population ne pas joindre résultat, sans qu'elle ne pas joindre assistance. Ni besoin, si nous considérons que l'école là qui a chaque année son casquette chinois pour parents, et l'État n'a pas jamais pris en considération ça pour accompagner
parents entre l'école là pour avoir assistance sociale que vous méritez. Et nous espérons que dans 9 milliards de gouttes, ce n'est pas même des autres qui sont habitués à faire, comme nous-mêmes, nous sommes groupe de pression. Et c'est ça nous a fait, c'est dénoncer, nous ne pouvons pas arrêter les gens qui gaspillent l'argent de l'État, arrêter la justice qui pour faire travailler ça, arrêter la commission gouvernement pour mettre l'action publique en mouvement contre les gens. Et nous-mêmes, nous continuons à dénoncer et nous demandons des populations, il faut être très vigilant pour mener la bataille ça, parce que c'est l'argent taxe qui a continué à gagoter pour nous ne pas continuer.